Prends garde, si tu ériges la loi du talion en loi universelle, de n'avoir pas à le regretter la première. Car si un mort rachète un mort, ton tour est venu d'expirer. Je suis Électre, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre. J'ai deux sœurs, Iphigénie, Chrysothémis, et un frère, Oreste. Dans la famille, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que Agamemnon, mon père, a été assassiné par Clytemnestre, ma mère et son amant, Égiste à coups de hache. Après ça, ma confiance en ma mère est quelque peu fragile. Aussi, je décide d'envoyer mon frère, Oreste, loin d'ici, afin de le protéger. La vie au quotidien avec les assassins de mon père n'est vraiment pas facile. Je dis ça, ça me semble évident, mais pour Chrysothémis, ma sœur, sans aller jusqu'à dire qu'elle l'accepte, disons qu'elle le supporte. Apparemment, parce que comme ils ont le pouvoir et qu'on ne peut rien faire, on ferait mieux de plier. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je passe mes journées à leur faire payer en pleurant, en hurlant ma douleur vers les cieux, et en attendant que la prophétie qui dit que mon frère va revenir venger notre père s'accomplisse. Je me dispute très violemment avec ma mère. Nous ne sommes pas vraiment d'accord sur la légitimité qu'elle avait de tuer mon père. Elle dit que comme il a tué Iphigénie, sa fille, ma sœur, elle devait le tuer. Mais mon père n'avait absolument pas le choix. Quand une déesse en colère vous demande de tuer votre fille, vous le faites. À point, c'est tout. Bref, ma mère m'annonce alors une terrible nouvelle. Au reste, mon frère est mort. Je n'ai même plus de larmes, je n'ai que faire de crier. Mais heureusement, Oreste s'était travesti. Il n'est pas mort et il est revenu pour accomplir notre vengeance. Il pénètre dans notre palais, tue notre mère, se charge d'Égiste quelques minutes plus tard. Voilà notre vengeance accomplie, la prophétie aussi, et avec elle, c'est toute la malédiction des Atrides qui en est finie. Mais bon, c'est du théâtre.